Nous sommes en train de travailler. We are working. Pour publier un dictionnaire du vocabulaire de la rédemption, c'est-à-dire que du plan du salut. To publish a dictionary of the plans of salvation. Les enfants de Dieu doivent maîtriser la doctrine de Christ. The children of God must master the doctrine of Christ. La doctrine du salut. The doctrine of salvation. Quand tu maîtrises la doctrine du salut, when you master the doctrine of salvation, tu es heureux. You are happy. Parce que tu es établi dans la vérité. Because you are settled in truth. La vérité délivre. And truth delivers. Et quand on est délivré, and when you are delivered, on ne peut plus être esclave. You can no more be a slave. On peut construire. You can build. Un esclave ne peut pas bâtir. A slave cannot build. C'est quand on est libre. It's when you are free. Qu'on agit. That you can walk. Qu'on planifie. That you plan. Qu'on progresse. That you go forward. Qu'on peut aider les autres. And you can help others. Nous allons voir aujourd'hui. We'll see today. L'amour et la grâce de Dieu. Love. God's love and grace. Parce que nous sommes dans une période, because we are in a period, qui demande que nous soyons sûrs de ce que Jésus a fait pour nous. Which requires that we should be sure on what Jesus have done for us. On ne s'approche pas de Dieu par ses propres moyens. You don't get close to God by your own means. On s'approche de Dieu par les moyens créés par Dieu lui-même. You get close to God by the means that himself produced. Il est dit dans la littérature que le christianisme est la seule religion où Dieu va vers l'homme pour le sauver. It is said that Christianism is the only religion in which God goes toward men to save them. Dans les autres religions, comme dans tout le paganisme, in all the other religions, les gens, as well as paganism, les gens cherchent Dieu. People look for God. Certains fabriquent même leur Dieu. Some even make their God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Notez ceci. Write this down. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. The word of God says that God so loved the world that he gave his Son, his only Son. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. God so loved the world that he gave his only Son. Donc, le don de Jésus, le don du Fils unique de Dieu apparaît dans les Écritures comme l'ultime manifestation de l'amour de Dieu. So, que le sommet de la manifestation de l'amour de Dieu. So the gift of Jesus, the Son of God, is the summit of God's love. Dieu a aimé, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. God loved. He so loved the world that he gave his only Son. Donc, l'amour de Dieu, so God's love, amène Dieu à donner Jésus aux hommes. Lead God to give Jesus to men. Et quand Jésus vient, and when Jesus come, Jésus se constitue offrande expiatoire. Jesus set pour les himself hommes. As an astonished offering. Le Père aime et donne le Fils. The Father loves and gives the Son. Le Fils se donne. The Son gives himself. En s'offrant comme offrande. C'est-à-dire by offering himself as an offer. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le Fils devient une offrande. The Son becomes an offer. Pour que les hommes puissent par lui atteindre Dieu. Passer et atteindre Dieu. So that people can pass by him and reach God. Vous notez que avant même que l'homme ne tombe dans le péché, toute l'œuvre de Dieu pour l'homme est une œuvre d'amour. Right, that before men fall in sin, any work of God was a work of love toward men. Depuis la création, ce que Dieu fait pour l'homme est la manifestation de l'amour. All that God is doing for man is the showing up of his love. Même dans la pensée de Dieu.
Even in the thought of God, quand il a conçu l'homme dans sa pensée, when he created man in his thought, il l'a conçu pour la gloire, pour le bonheur. He created him for the glory and for happiness. Lis pour nous Genèse 1, verset 26. Read for us Genesis 1, verse 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Amen. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Let us make mankind in our image. Selon notre ressemblance. In our likeness. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. So that they may rule over the fish. Sur les oiseaux du ciel. And the birds. Sur le bétail. Over the livestock. Sur toute la terre. And all the wild. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. And all over the creatures that move along the ground. Ça c'est l'amour. This is love. Ça c'est l'amour. This is love. Notre Père nous a créés à son image. Created us in his likeness. Quand il nous regarde, when he look at us, il y a de la joie dans son cœur. He is happy. Et il dit, c'est pour qu'il domine. And he says that is to rule. C'était pas pour venir souffrir. It's not to come and suffer. C'est cet amour que le psalmiste célèbre dans le psaume 8. Lis pour nous le psaume 8. That the psalmist celebrate in Psalm 8. Au chef des chantres, sur le Gittit, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Lord our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and to avenge. When I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings, that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the work of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea. All that swim the path of the seas. Lord our God, how majestic is your name in all the earth. Amen. Donc, nous voyons comment le psalmiste célèbre la bonté de Dieu. So we see how the psalmist is celebrating the goodness of God. Dieu qui a élevé l'homme au-dessus de toute la création. God who lifted up man over all the creation.
Frère, il est bon de savoir que Dieu aime l'homme. Brothers, it's good to know that God loves men. Tu as tellement entendu des gens dire je t'aime. Tu ne sais, quand on dit Dieu aime les hommes, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. You saw here people telling each other, I love you. That when you hear God love men, you don't know what is it about. Dieu n'a pas aimé de bouche. God did not love. Il a manifesté ça. He showed it. Il a élevé l'homme. He lifted up man. Au-dessus de toute la création. Over all the creation. Il a fait de l'homme un être un peu inférieur à Dieu. He made man a being just a little lesser than angels. Tout ce que Dieu fait. All that God does. Tout ce qu'il nous fait faire. All that God make us do. C'est parce qu'il nous aime. It's because he loves us. Tu dois savoir ça. You must know that. À l'origine, avant même que tu ne viennes à l'existence, la pensée de Dieu t'a conçu parfait, fort, comblé, heureux. In the beginning, even before you come to existence, the thought of God, he conceived you as a strong man, a perfect man, a joyful man. Créé pour dominer. He created you to dominate. Placé dans un jardin qui avait tout. He put you in a garden where there was everything. Il y avait même l'arbre de la vie. There was even the tree of life. Qui n'était même pas interdit. Which was not even banned. Si quelqu'un veut être sauvé. If someone wants to be saved. Il faut qu'il s'approche de Jésus. He must get close to Jesus. Qu'il donne sa vie à Jésus. He must give his life to Jesus. Qu'il possède le don du salut que Jésus lui donne. He must possess the gift of salvation that Jesus gives him. Dieu aime. God loves. Et donne le Fils. He gives the Son. Le Fils aime. The Son loves. Il s'offre en offrande. He gives himself as an offering. Tous les sacrifices. It means that all the sacrifices. Qu'il faut offrir à Dieu pour être aimé, pour être accepté par Dieu, Jésus les a offerts. Needed to be given to God so that he accepts. À travers l'offrande de sa personne. Through the offering of his being. Dis amen. Say amen. Si tu veux prier là, if you want to pray, tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. You need no one between you and God. Parce que Jésus. Because Jesus est une offrande expiatoire. Is a sufficient offer. Il a lavé tes péchés. He washed your sins. Et il a établi le pont. Il a posé. Il a frayé le chemin. And he set the bridge. Pour he que opened tous the les way. Hommes so that all men soient capables de retourner à Dieu should sans be able problème. To go back to God without obstacle. On appelle cela. This is called la grâce de Dieu. The grace of God. C'est pour cette raison qu'il est dit que Moïse a donné la loi. This is why it is said that Moses gave the law. Jésus a donné la grâce. Jesus has given the grace. La grâce de Dieu. The grace of God. C'est cette capacité divine de te sauver sans ta contribution. It's this divine ability to save you without your contribution. Tu ne payes rien. You pay nothing. Et tu es sauvé. And you are saved. Comment? How? En acceptant le travail de Jésus. By accepting the work of Jesus. Quand tu acceptes le travail que Jésus a accompli pour que tu sois sauvé, c'est ça qu'on appelle avoir la foi. When you accept the work that Jesus has accomplished for you to be saved, this is what is called faith. Dieu t'aime. God loves you. Il donne Jésus. He gives Jesus. Jésus se donne pour toi. Jesus gives himself for you. Toi, tu crois en Jésus. You believe in Jesus. Et tu es sauvé. And you are saved. Sans rien payer. Without paying nothing. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ.
Donc tu te réconcilies. So you reconcile yourself. Sans offrir les offrandes. Without offering offers. Sans payer une somme d'argent. Without paying an amount of money. Tu es lavé. You are washed. Sans même puiser de l'eau. Without having collected l'eau simple water. Eau là, simple eau. Plongé dans le sang de Jésus. You are plunged in the blood of Jesus. J'étais émerveillé quand je lisais dans Apocalypse, on dit qu'ils ont blanchi leurs robes par le sang de Jésus. I was amazed when I was reading the Revelation where it's written they have washed, they have bleached their clothes in the blood of Jesus. Le sang est rouge. The blood is red. Tu plonges les choses dedans, les choses sortent blanches, éclatantes. You plunge things inside, they get out. Jésus est puissant. Why? Jesus is powerful. Jésus est puissant. Un sang rouge, je me plonge et je ressors blanc comme la neige. C'est un mystère, c'est un miracle. Ô Éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni pour le sacrifice de Jésus, pour notre salut, pour cette grâce. Nous n'avons rien payé, rien payé. Le fait de nous laver sans même puiser de l'eau. Sois béni et sois élevé au siècle des siècles. Amen. Gros démons, Seigneur, quand nous disons au nom de Jésus, même les géants s'écroulent bras par terre. Seigneur, c'est toi qui fais cela. Et ça aussi, tu nous as donné gratuitement. Seigneur, tout ce que tu as accompli pour nous est complet et gratuit, Seigneur. Nous sommes bénis. Nous sommes gâtés, nous sommes bénis parce que tu nous as aimés, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes remplis de démons, Seigneur, puis tu as pris notre place. Seigneur, tu nous as justifiés. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Tu es grand quoi, Seigneur? Le sang qu'on n'a rien payé. Seigneur, on n'a rien payé. Seigneur, si on avait l'argent sur nos comptes même, ce sang-là, Seigneur, c'est plus grand, c'est puissant. L'argent, elle est fini. L'argent, elle est fini, car on ne serait pas pu. L'argent, elle est fini sur nos comptes, on ne serait pas pu. Car, Seigneur, ton sang précieux, ce sang précieux, Père, qui nous a jamais jugés, qui nous a jamais jugés, qui nous a lavés, nous sommes sanctifiés. Seigneur, sois béni, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Du verset 5 au verset 5 et 6. Read from verse 5 to 6. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Amen. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Amen. Amen. Vous notez ceci. Pardon. Le Fils, c'est-à-dire Jésus, the Son, which means Jesus, a accompli l'œuvre de la rédemption, has done the work of redemption, en se livrant comme offrande expiatoire. By giving himself as an offering. Il est mort à la croix. He died at the cross. Il a glorieusement satisfait aux exigences he de la justice divine. Fulfill our requirement for the divine love. Ce que la justice de Dieu exigeait. What God justice required. Pour que les péchés soient pardonnés. For sins to be forgiven. C'est Jésus qui a accompli ça. It's Jesus who did it. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Lisons dans Hébreux chapitre 10, lis à partir du verset 4. Let's read in Hebrews chapter 10, read from verse 4. Tout ce que Dieu demandait,
All that God was requiring. Pour que l'homme soit capable de se tenir devant lui et obtenir le pardon des péchés. For man to be able to stand before him and gain the forgiveness of his sins. Jésus l'a accompli à la croix du calvaire. Jesus did it at the cross of Calvary. Il s'est offert comme une offrande expiatoire. He gave himself as a sacrifice, an offering. Lis. Écoutez très bien. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? In the past, what men were pour être pardonné, to be forgiven, il fallait aller avec des victimes, avec des boucs ou des vaches. You need to go with goat or sheep. Et tu posais les mains sur l'animal. And you laid your hands on the animal. Pour que tes péchés soient transférés sur cet animal. For your sins to be transferred on this animal. C'est pour. Et après, on tuait l'animal, on versait le sang, toi tu rentrais chez toi. And after that, they killed the animal, they shed the blood, and you go back home. Le verset qu'on vient de lire, dit que cette méthode-là. Cette pratique n'a pas sauvé les hommes. The verse we have just read says that this practice, these things, c'était provisoire. Did not save people. It was for a time. Dieu avait permis qu'on le fasse en attendant Jésus. God allowed people to do so while waiting for the coming of Jesus. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Now listen to what Jesus is telling. Lis. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, quand Jésus a vu when Jesus saw que son père n'était pas satisfait par les vaches, les boucs, les taureaux, that his father was not satisfied by the goat, the lambs and the cows. Écoutez la décision qu'il a prise. Listen to the decision he took. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il a dit à son père, oh mon père. He told his father, oh my father. Tu ne veux rien de tout ce que les gens apportent. Tu ne you veux don't pas want les sacrifices. Tu ne of veux pas les all offrandes. That people are giving you. You don't want sacrifices. Tu es fatigué chaque jour. On vient avec les animaux. You tu are tired toi, and bored jour. Every time they come with animals. Et qu'est-ce qu'il décide? And what does he decide? Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit. Je décide. I decide. C'est Jésus qui parle. It's Jesus speaking. Voici, je viens. Il dit, je m'en vais dans le monde, sur he la says, terre. He said, I am going in the world, on earth. Parce que tu n'as pas accepté ces sacrifices-là. Because you did not accept those sacrifices. Parce que ce n'est pas parfait, c'est des animaux. Because there are not perfect. Le sang des animaux. There are blood of animals. Pour plaider pour le pardon des péchés des hommes. For the forgiving of the sins of men. Jésus dit. Jesus says. Je viens. I'm coming. Il vient faire quoi? What is he coming to do? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour faire ta volonté. To do your will. Je m'en vais. I am going faire ce que tu désires. To do what you desire. Tu veux un sacrifice. You want a sacrifice. Tu veux le sang. You want the blood. Pur. A pure blood. Pour sauver les hommes. To save men. Et il n'y a pas ça. Depuis que les boucs n'ont pas ça. Les taureaux n'ont pas ce sang. And the goat don't have it. The cows don't have it. Un animal n'est qu'un animal. An animal is an animal. Il dit, je m'en vais donc faire ta volonté. I am therefore going to acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Dis, je m'en vais. I'm going. Je m'en vais. I'm going. Fais ta volonté. Do your will. Lis. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est pas à partir de cette décision que Jésus a prise là. It's from this decision that Jesus took. Depuis le jour où Jésus a dit je m'en vais. Since the day he said I'm going. C'est à partir de là que le salut a atteint les hommes. It's from this day on that salvation reached men. Tous les hommes. All men. Même si n'importe où tu te trouves, tu peux te lever, tu pries et ton, Everywhere you are, le sang de Jésus est là. You can stand and pray. The blood of Jesus is available. Quel que soit le coin de l'univers où tu te trouves. Whatever the place of the universe you are. Le sang de Jésus est disponible. The blood of Jesus is available. Continue. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Non, reprends cette phrase-là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Depuis que Jésus s'est donné à la croix, since the day Jesus gave himself at the cross, le sang a coulé une fois pour toutes. The blood has flowed once forever. Si je pêche maintenant, if I commit a sin now, si je veux confesser pour que Dieu me pardonne, if I want to confess it so that God forgives me, je me mets seulement à prier en disant au nom de Jésus, je demande pardon à Dieu et ça passe. I just stand and say in the name of Jesus, I beg God's pardon and it's work. Je n'apporte plus un animal pour sacrifier. I do not bring an animal anymore. Je dis seulement que je confesse mes péchés maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, ça s'efface. I am confessing my sins right now in the name of Jesus, and it's clean. Sans taureau, sans bouc, sans vache. Without cause. C'est ce que Jésus a fait. It's what Jesus has done. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Une seule offrande. Jésus ne va pas mourir plusieurs fois à la croix. Une seule fois, c'est fini. Jesus is not going to die many times on the cross. Only one time and it's enough. Avant là. In the past. Chacun allait avoir son petit mouton à côté de lui là où nous sommes assis là. Everyone. Dès que celui-ci passe. Small lamb next to him. Le premier passe, on égorge, on verse le sang, le second. The first come, we slay it and we pour the blood. And the other one come. Regarde, une petite salle seulement. Imaginez donc le monde entier. Qu'est-ce qu'on allait faire? This is a small hall. Imagine the whole world. How will we manage? Vous voyez, quand on distribue les livres là, chacun veut être premier. Imagine c'est le désordre même dans le monde. Imagine the disorder in the world. Cette pratique était limitée. C'était limité. This practice was limited. La Bible dit que c'était provisoire, c'était un temps de réforme. The Bible says that it was for a time. Ce n'était pas pour être pratiqué permanemment. It was not a permanent action. L'homme doit apprendre à accepter l'œuvre de Jésus. Man should learn to accept the work of Jesus. L'œuvre de Jésus met fin à toute religion inutile. The work of Jesus put an end to any useless religion. Nous sommes dans le jeûne. We are in the fasting. Il faut faire attention. You must watch out. Je sais. I know. Que beaucoup d'enfants de Dieu se glorifient parce qu'ils jeûnent. Many children of God glorify themselves because they are fasting. Il y a même quelqu'un dans la Bible, il jeûnait deux fois par semaine. Il s'est mis à citer ça. Il payait la dîme. We even have someone in the Bible who used to fast
two times a week and he was cutting it. Et il citait ça à Dieu. He was just cutting all of it. Je ne suis pas comme ce publicain là. Saying I'm not like this pagan. Le jeûne que nous observons. The fasting we are going through. Et notre travail avec Jésus, c'est le travail que nous faisons avec Jésus qui nous fait jeûner. It's our work with notre salut. Jesus. It's the work we are doing with Jesus that lead us to fast. Lis pour nous Esaïe 53. Read for us Isaiah 53. Verset 1 à 10. Verse 1 to 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Relis le verset 10. Read again verse 10. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel. It was the Lord's will. De le briser par la souffrance. De le briser par la souffrance. To crush him. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. After having given his life in sacrifice for sins. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité et prolongera ses jours. He will have an offspring and he will prolong his life. Insistons sur ce verset 10. Let us insist on this verse. Jésus a livré sa vie. Jesus gave his life. En sacrifice. As a sacrifice. Et le résultat. And the result. Il y a une postérité. There is an offspring. Lisons Jean 20, verset 21. Let's read John. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi, je vous envoie. I too am sending you. Et de même que Jésus a donné sa vie, il a livré sa vie pour avoir une postérité, nous devons donner nos vies aussi. As well as Jesus
gave his life to have an offspring. Pour sauver les hommes. We must give our own life to save people. Lis 2 Corinthiens chapitre 6. Read 2 Corinthians chapter 26. Lisons du verset 1 au verset 10. Let's read from verse 1 to 10. Il y a un travail que les vrais enfants de Dieu doivent accomplir. There is a work that the true children of God must do. Parce qu'ils sont des co-ouvriers avec Dieu. Because they are co-workers with God. Nous ne sommes pas ici dans cette salle pour être sauvés. Nous sommes sauvés depuis. We are not here in this hall to be saved. Sauvés, we are already saved. Pur, lavé, lavé. We are saved, we are washed. Mais nous sommes là. But we are here pour travailler avec Dieu. To work with God. Notre salut est gratuit. Our salvation is free of charge. Il ne demande aucun jeûne. It requires no fasting. Jésus a tout accompli. Jesus has done everything. Les hommes ont tenté de le faire, ça les a dépassés. Ils ont fait, ça n'a rien donné. Jésus est venu accomplir tout pour nous. Men tried to do it, but it was over them. Jesus came and did it for us. Et la parole de Dieu dit. And the word of God says. Nous sommes sauvés. We are saved. Par grâce. By grace. Au moyen. Through de la foi. Our faith. Tu crois seulement. You just believe. Que Jésus est le Messie de Dieu. That Jesus is the Messiah of God. Envoyé pour saved le salut de l'humanité. For the salvation of mankind. Tu crois que son sang blanchi, son sang lave. You believe that his blood washed. On dit tu crois à l'évangile. Believe to the gospel. Tu crois à la puissance du sang de Jésus. You believe to the power of the blood of Jesus. Tu crois que si tu dis à un démon au nom de Jésus, il va fuir et tu dis. You believe that if you tell a demon in the name of Jesus, he will just flee and you do it. Tu es un enfant de Dieu, que personne ne te trompe. You are a child of God. Nous entrons dans le jeûne, nous sommes des enfants de Dieu qui commencent un jeûne pour que l'œuvre de Dieu prospère dans le monde. We are fasting. We are children of God who are fasting for God's work to move forward in the world. Certains s'étonnent que donc c'est vrai. Vous voyez comment la salle est calme. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Au lieu de rester concentré, dis merci Seigneur. Instead of staying focused. Est-ce que vous savez que nous sommes les enfants de Dieu? Do you know that we are children of God? Est-ce que c'est à la fin du jeûne que nous serons des enfants de Dieu? Is it at the end of the fasting that we will become children of God? Vous êtes bénis. You are blessed. Lis verset 1, 2 Corinthiens chapitre 6. Second book of Corinthians chapter 6. Puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. Since we are working with God. Certains ne savent même pas qu'on travaille avec Dieu. Some even don't know that we work with God. Quelqu'un m'a demandé, vous avez commis quel péché comme ça pour faire une croisade de 30 jours. Il ne comprend Someone rien. Celui-là, il est perdu. Which sin you committed for you to go to a crusade of 30 days? Jésus n'a commis aucun péché. Jesus committed no sin. Il a intercédé pour les coupables. He walked. He prayed for the guilty people. Quand ce jeûne va venir? When the fasting will stop? Quand ce jeûne va finir? When the fasting will end? Le 1er janvier, on jeûne pour la nation. The 1st of January, we fast for the on nation. On commence. We start. Quand les autres vont manger, nous on va jeûner pour la nation. When others will eat, we are going to fast. For the nation. Et les hommes d'affaires vont faire les affaires qui vont prospérer, mais les gens qui ont jeûné là, c'est les enfants de Jésus. And businessmen will do their business and they will have money, but people who fasted Dieu are children aime ça. Of God. God loves that. Après ça, on va prendre l'autre pour délivrer nos familles. And after that, we'll take another fasting to deliver our families. Après, il y en a, on va prendre l'autre pour prier pour les dirigeants. And we'll have another one to pray for the leaders. Et ainsi de suite. And so on. Pourquoi? Why? Parce que nous travaillons avec Dieu. Because we work lise, with ça, God. Lis encore très bien. Puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. Since we are working with God. Écoutez. Listen. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quand tu sais que Dieu t'a recruté.
When you know that God has recruited you, que Dieu t'utilise, that God used you, il y a des choses que tu ne dois plus faire. There are things you should no more do. C'est ça qui est très important. This is what is very important. Quand tu sais, when you know, que tu travailles avec Dieu, that you work with God, tu prends des dispositions pour ne pas rater. You make all the arrangements not to fail. On appelle ça la crainte de Dieu. This is called the fear of God. Tu ne veux pas faire mal. You don't want to do evil. Parce que c'est le non, tu ne vas pas mal faire. You don't want to fail. Tu veux réussir. You want to succeed. Pourquoi? Why? Parce que tu travailles avec Dieu. Because you work with God. Qu'est-ce qu'on fait encore? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Écoutez très bien. Oui, la Bible de Josias. Oui, relis pendant qu'il arrive. Nous ne donnons aucun sujet. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. We don't give en quoi que ce soit. Of scandal in any field. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous devons mener une vie qui protège le ministère des blâmes, des scandales. We must have a blameless life. On peut être persécuté, ça c'est le travail du diable. You can be persecuted, this is the work of the devil. Mais but nous faisons attention. We watch out. Parce que nous travaillons avec Dieu. Because we are working with God. Nous ne voulons pas rater le travail. We don't want to fail in our work. Il ne faut pas que Dieu nous blâme parce qu'on a mal conduit quelqu'un à la repentance. God should not blame us because we did not lead someone to repentance. Il ne faut pas que Dieu dise que cette dame a fait un mois sans visite. God should not say that this soul has done one month without receiving a visit. Il ne faut pas que quelqu'un dise que on a dit mes choses aux autres frères. No one should say that they have told my secret to other brothers. Ça ne doit pas exister. That this should not exist. On ne doit pas entendre que le pasteur a pris mon argent. We should never hear that the pastor took my money. L'objet de blâme. We must be blameless. Personne n'a le droit. No one has the right. De mener une vie qui attire les blâmes sur le ministère. Should live. No one should live a life which attracts the blame on the ministry. Lis 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Or, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons, vous aussi, veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. Vous savez ce que dit l'Écriture. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. Quant à nous, nous évitons de choquer qui que ce soit. Nous évitons de choquer qui que ce soit. We avoid to hurt anyone. Nous ne voulons placer d'obstacles sur le chemin de personne. Nous ne voulons placer obstacles sur le chemin de personne. We don't want to put an obstacle on the ways of anyone. Il ne faut pas que le ministère apostolique soit exposé à la critique ou tourné en dérision. Au contraire. Non, relis ça. Nous ne voulons pas que le ministère apostolique. Il ne faut pas que le ministère apostolique. Il ne faut pas que le ministère apostolique soit exposé à la critique. Soit exposé à la critique. Ou tourné en dérision. Ou tourné en dérision. People should not criticize the pastorship. Au contraire, à tous égards et en toutes circonstances,
Nous nous efforçons de démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Il faut travailler. You must try hard pour t'afficher. To show yourself un vrai enfant de Dieu. As a good child of God. Dans ta ville. In your town. Dans ton assemblée. In your church. Dans ton quartier. In your area. Dans ta famille. In your family. Paye le prix. Pay the cost. Pour qu'on dise que celui-ci. So that people say that this est un enfant de Dieu. Is a child of God. Ce travail là. This work. Ce n'est pas pour être sauvé. It is not to be saved. Tu es déjà sauvé. You are already saved. Ça montre que tu es responsable. It just shows that you are responsible. Celui qui fait ça montre que il connaît son père. The one who does that shows that he knows his father. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Continue. Nous supportons avec beaucoup de patience. Cela nous amène à supporter beaucoup de choses. This leads us to bear a lot of things. Les différentes épreuves qui nous assaillent. De supporter les épreuves qui nous assaillent. Toutes les épreuves, les tribulations, les moqueries. Any kind of trials which are surrounding us. Le mépris. Despise. On supporte ça. We bear it. Patiemment. Patiently. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Because we are children of God. Pas parce que nous voulons être sauvés. Not because we want to be saved. La grâce. The grace. Nous sauve. Saves us. Sans prix. Without cost. Tu ne payes rien. You pay nothing. Mais. But. La responsabilité. The responsibility. La conscience. The conscience. Que Dieu nous aime. That God loves us. Nous contraint à nous discipliner. Force us to discipline ourselves. Comme une conséquence. As a consequence. Comme une émanation, une vie qui sort de. As a result, something which comes from us. Continue. Nous endurons les détresses les plus diverses, les privations, l'angoisse, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits blanches. C'est cette vie-là. C'est cette vie qui produit. Ça, c'est une vie qui montre que les gens sont devenus mûrs. This is a life which shows that people have become mature. Des gens sont devenus des dirigeants. People have become leaders. Quand on se recommande à la grâce de Dieu. When we recommend ourselves to the grace of God. Quand on sait. When we know que Jésus a tout fait. That Jesus has done que nous n'avons rien à faire. And we have nothing else to sinon, do. Sinon, le prix que nous payons parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu, des co-ouvriers de Dieu. And just only the price that we are paying because we are co-workers of God. Nous devons être conscients de notre responsabilité. We must be aware of our responsibilities. Beaucoup pensent que quand on dit la grâce, many think that when they say the grace, on veut dire indulgence extrême. It means que on doit être indulgent à l'extrême. It means that you must let everything be done. Non. La grâce veut dire the grace means tu as été sauvé, you have been saved sans payer de rançon. Without paying a ransom. Un autre l'a fait. Someone else did son it. Nom c'est Jésus. His name is Jesus. Mais qu'est-ce que toi tu as donc à faire? So what do you have to do else? Rien. Nothing. Sinon, otherwise, ton engagement à glorifier par ta conduite l'esprit de la grâce qui t'a sauvé. Only your commitment to glorify by your spirit, puisqu'on the grace which saves you. Puisqu'on m'a donné des habits neufs, as I have been given new clothes, je ne sais même pas combien ça a coûté. I even don't know how it costs. Je veux me comporter pour ne pas les salir. Je veux bien me comporter. So that I do not put dirtiness on it. Quand tu fais ça, if you do that, Dieu t'élève. Jesus, God lifts you up. Il te donne des enfants spirituels. And he gives you spiritual children. Des gens à qui tu vas enseigner la même vie. People to whom you will teach the same life. Tu auras une postérité. You will have an offspring. Parce que tu t'es sacrifié. Because you sacrificed yourself. Ce n'était pas nécessaire puisque tu n'as pas commis de péché, mais tu jeûnes pour les pécheurs. It was not necessary as you did not commit any sins, but you are fasting for the sinners. Quand nous jeûnons pour la nation là. When we are fasting for the nation.
Il n'y aura pas de guerre, mais les homosexuels, bon, ils se promènent, ils commettent des péchés, les prostituées. No, c'est à ce moment-là même que les prostituées sortent dans les rues. Sins and the prostitutes are getting out in the parce ways. Que la paix est là. Because there is peace. Et Dieu bénit ceux qui ont payé ce prix-là. And God bless people who pay this cost. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Continue. Voici la vie que mènent les gens qui sont conscients de leurs responsabilités parce que sauvés gratuitement, sauvés par grâce. Of people who are aware of their responsibilities because they have been saved free of charge by grace. Les nuits blanches, les jeunes, etc. Oui, il y a encore bien les jeunes là. Read it again. Il y a les jeunes dedans. Dis amen. There are the fastings inside. Les jeunes, say amen. Etc. Nous cherchons à recommander notre ministère par une vie pure, par une connaissance spirituelle de la vérité, par notre attente patiente de l'heure de Dieu, par la bonté, l'amabilité, par l'esprit de sainteté et une action inspirée par le Saint-Esprit, par un amour sans feinte ni affectation, par la proclamation de la parole de vérité, par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous combattons avec les armes offensives et défensives de sa justice. Nous sommes honorés ou humiliés, calomniés ou loués. On nous couvre de probes ou on nous porte au nu. On nous traite d'imposteurs et cependant nous disons la vérité. On nous ignore comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On dit, ils sont à l'attique de la mort et voici, nous sommes toujours en vie. On pense, voilà des gens que Dieu châtie. Et cependant, nous ne succombons jamais. On nous accable de tristesse. Nous sommes toujours joyeux. Nous passons pour des mendiants. Et pourtant, nous enrichissons tant d'autres. Nous avons l'air d'être dénués de tout, alors que le monde entier nous appartient. Acclamation. Là. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une explosion de joie see, en nous. There's an explosion of joy in us. C'est un témoignage vrai. It's a testimony, brothers. Tu dors paisiblement, on dit que c'est toi qui troubles. You are peacefully sleeping and you are said to be the one who is troubling. Écoutez. Listen, la Bible dit. The Bible says. Nous travaillons avec Dieu. We work with God. Parce que nous travaillons avec Dieu. Because we are working with God. Nous supportons les choses difficiles. We bear hard things. On se moque de nous. We are mocking us. On nous insulte. They insult us. Mais nous sommes toujours joyeux. But we are always joyful. Les gens disent qu'on n'a rien. People say that we have nothing. Pourtant, avec Jésus, on a tout. While with Jesus, we have everything. Frères bien-aimés. Beloved brothers. On n'entre pas dans le jeûne avec des incertitudes. You don't enter into the fasting with uncertainty. Tu risques d'être confus toi-même. You may be confused. Le jeûne est un combat. Fasting is a fight, a battle. Et tu dois vaincre. And you must overcome. Nous sommes entrés comme des couvriers avec Dieu. We enter through it as co-workers of God. Dès que tu entres, as soon as you enter, avec un héritage, with an heritage, tu prospères. You prosper. Sinon, otherwise, tu auras l'impression que tu es en train d'acheter ton salut. You will have the impression that you are buying your salvation. Et tu auras une joie qui n'est pas la joie du Saint-Esprit. And you will have a joy. Which is not the joy of the Holy Spirit. Tu auras la joie que la chair reçoit quand elle est satisfaite. You'll have a joy that the flesh receives when it is satisfied. Parce que l'homme aime, because man l'homme aime payer le prix pour son salut. Like to pay the price for his salvation. Il y en a qui se mortifient. There are people who wound themselves.
Il y a des gens qu'on appelle, il y a ceux qui pratiquent l'ascétisme, c'est-à-dire ils choisissent un régime de vie difficile. There are people who live on ascetism. They choose a kind of life which is very hard. Ils mangent un peu, ils maigrissent, ils sont contents. They eat a little and they get thin and they are happy. Nous ne sommes pas dans ce régime. We are not into this diet. Pas d'ascétisme, pas de stoïcisme. No ascetism. Nous ne sommes pas les stoïciens. We are not stoicians. Nous sommes les chrétiens. We are Christians. Nous, les petits frères de Jésus. The junior brothers of Jesus. Nous payons le prix pour le salut des hommes. We are paying the price for the salvation of men. Nous nous sanctifions parce que la gloire de Dieu est sur nous. We sanctify ourselves because the glory of God is on us. Nous sommes conscients. We are aware que c'est une œuvre de la grâce. That is a work of grace. Et nous payons le prix. And we are paying the price. Afin que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. So that the grace of God should not be vain. Si tu comprends ça, if you understand that, tu seras joyeux. You will be joyful. Tu vas même encourager d'autres à persévérer. You will even encourage the others to persevere. On va continuer mardi prochain. We'll continue next Tuesday. Prie pour toi-même maintenant. Pray for yourself now. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'entre dans ton travail. I enter into your work. Je n'ai rien à payer. I have nothing to pay. Je veux coopérer avec l'Esprit Saint. I want to cooperate with the Holy Spirit. Afin que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. So that the grace of God should not be vain. Car je suis sauvé. Because I am saved. Je suis sanctifié. I am sanctified. Si tu trouves un frère qui paye le prix pour que le ministère ne soit pas scandalisé, if you non, find pour que le brother, ministère ne soit pas un objet de scandale, il faut respecter ce frère-là. If you find a brother who is paying the price so that our ministry should be blameless, you must encourage him. Il voit loin. He sees very far. Il ne voit pas son nombril. He is not seeing only his belly. Prions ensemble. Let's pray together. Écoutez. Listen. Si tu es tenté, if you are tempted, ne pêche pas. Do not commit sin. Parce que tu es un enfant de Dieu. Because you are a child of God. Dieu a dit dans le psaume 82. God said in Psalm 82. Lis le psaume 82. Read for us. Écoutez bien. Listen carefully. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit. I said. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. You are gods. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Les enfants de Dieu sont des dieux. You are the children of the Most High. The children of God are gods. Cependant. While. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme les simples hommes. Yet, you die like simple people. Ne vole pas. Si quelque chose te dit vole, dis non, je suis un enfant de Dieu. Do not steal. If something tells you steal it, say no, I am a child of God. C'est ça qu'on appelle la sainteté. This is what is called holiness. Tu es propre là où tu es là. Tu es propre. You are clean. Ton habit du ciel est blanc. Your cloth of your heavenly cloth is white. Ne salis pas. Do not put dirty things on it. Tu n'es pas un mauvais esprit. You are not an evil spirit. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Dis amen. Say amen. Dieu
Et il s'étonne que des dieux ne savent pas qu'ils sont des dieux. God is amazed that gods are not aware that there are gods. Si quelqu'un te provoque, if someone provokes you, tu bénis la personne. You bless him. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Dans tes combats, in your battles, ne combats pas contre les individus. Do not fight against individuals. Combat contre l'injustice fight et le mensonge. Injustice and liars. Saint, ton épée est apparue. Défends la vérité et la justice. Defend truth and justice. Il faut qu'il soit connu que tes coups contre contre l'injustice sont violents. It should be known que tu aimes tous les hommes. It should be known that your knockout against injustice are violent. It should not be that you love everyone. Ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire que tes coups, il faut qu'ils soient connus, que tes coups contre le faux, contre l'injustice sont violents. Your knockout against injustice are violent. Et qu'ils soient connus de tous que tu aimes les hommes. And it should be known by everyone that you love everybody. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Prions ensemble. Let's pray together.